pas jeune rien dans mes régime tête cadière. Il dit merci beaucoup, la intègre, il sont citoyen honnête, il pas besoin de job ça. Non, ça qui concerne toujours les situations politiques là, ancien magistrat commune Kafoua pas caché préoccupation les l'a regarder dégradation socio économique politique pays à insécurité et tout ça que nous connaît demande citoyens au lever campé et Yvon Jérôme et il lancer un gros coup de rel en moi pour demander compatriotes prendre conscience dit nous pas capable rester bras croisés pour n'a quitter pays nous a pas fini comme ça toujours sous situation politique là la veille ouverture l'école là gagne position ambassade américaine prend côté censé après les oreilles alliées en public quelques réactions sénateur Nenel Kassi estimé que c'est une situation catastrophique pays a vivre depuis longtemps diplomatie américaine n'a pas jamais pensé pencher sur ça il dit pas seulement une petite note sur insécurité sur gang ambassade américaine et qui montrait à clair que n'est pas désolidarisé jusqu'à présent à régime en place. S'il voulait pour lui montrer papa haïtien, il prend une autre route, c'est pour le désolidariser ak aliel. Et puis il y a tout n'a pas réaction Antonio Cherami Kato et toujours sous situation politique là persécution contre famille Vob et puis ambassade américaine et qui ça le pensait de notre ça même j'ai tout avec ancien député Léogane Jean Danton Léger et sous dernière position ambassade américaine n'en prend très tard et n'a gagné tout analyse Jean Danton Léger sous situation et compagnie Sogener là Initiative Patriote Marien, ancien député Hugues Célestin, bon, pas besoin de dire où qu'on est, il dit c'est Américain avec le RAC qui kembe Jovenel Moïse sous pouvoir. Alors que coordonnateur général, organisation Peuple Cap Lutté, ancien président Sénat Edgar Leblanc, et quoi notre nom arrivé vraiment très tard dans ce qui concerne position et gouvernement américain. Et porte-parole en fusion, professeur Mozart Clérisson, lui allait dans le même sens dans tout. Le peuple haïtien pas de besoin notre ambassade pour exprimer des accords par rapport au régime tête calière. Et puis d'abord pour nous parler tout de réouverture l'école là professeur Victor Benoît et Rudy Edmé et ak Mozart Clérisson. Faut que nous dit tout gouvernement dans cadre espace créé pour coronavirus tente mener en pile activité sous question réouverture l'école là. L'actualité internationale là son peuple en colère qui prend la rue journée jodi a dans pays Liban et bilan gagné un policier qui mouri gagné au moins 110 libanais qui blessés pendant que diaspora libanaise là continue à faire solidarité avec pays là d'ailleurs parmi superstar yo gagné Amal Cloné qui c'est madame superstar américain et George Cloné et tout yo fait don yo exprimé yo porter solidarité au peuple libanais. Et n'a pas gagné tout pour nous parler de l'initiative la France a prend demain côté la fait une conférence visio et conférence lui-même avec l'autre et pour sous dossier pays Liban et pour ouais comment est capable arriver mobiliser et aide internationale là pour aider Liban qui dévasté après explosion ça faut que tout dit président Aoun laisser quoi c'est pas peut-être capable de négligence mais capable tout son missile capable tout c'est une bombe. Pas oublier président Trump t'a parlé de bombe. Il t'a dit selon la plusieurs général l'armée américaine t'a parlé à lui était plus ouais et c'est car une bombe ou bien un missile bon et c'est dans ce sens ça nous hein et président libanais et allez. Et puis yon élection yo te kwè ki te déjà tout bagay réglé c'est dans ancienne république soviétique et Belorussie et bien tout d'un coup il y a trois mesdames qui mettaient ensemble pour faire face carré à président qui sous pouvoir depuis 1994 et tout d'un coup nous capable dit élection semblait li prend l'autre direction alors que toutes les affaires étaient dans sac et pour dictateur qui sous pouvoir depuis dix d'antan. Ces informations ça y a quand pile l'autre va développer pour après-midi dans journal ça.
bien sous maladie qu'on fait filo. Pendant ma excuse nouvelle sous Kiskeya, moi, tendez Lili qui a annoncé nouvelle en mort et qu'on fait filo. Et l'SM, c'est comme si me tournais en roche et l'aime dans des nouvelles là parce que, et qu'on fait filo, et m'a rappelé, mais c'est peut-être juste avant Corona, moi, t'es, Welly, m'a songé dans qui circonstance et nous faisons petit parler et tout petit et que me connaît monsieur là en santé à travail et tout d'un coup m'apprendre et l'en mort et compère filo et ça fait me revivre en pile bagaille dans histoire lutte et peuple haïtien lutte compère filo t'a mené et ensemble avec Liliane et Mavel toute équipe là et Sony et dans la radio Kiskeya, les ont été arrêtés, et bien bon, c'était un gros bagage. Tout wo militant ça, ils ont retourné et vin poté collé, et certainement, ils ont chaque dans façon pa yo. À travers un personnage ça, qui ça nous capable de tirer comme principale source de motivation pour aider nous avancer? Il y en a Mac Fabrique. Et compère filo, monsieur, c'est un nationaliste. Et son nègre qui remet pays, son nègre qui a un emblème simplicité qui pas entré dans la logique société consommation et qui fait moun à proke makouti au côté main yo pas capable rivé. Eh bien, et monsieur, son modèle dans ce sens. Hein? Oui, Chavanne, Jean-Baptiste, tout songer, et qui belle fête il te fait, l'aime de tourner sur ton exil. Papa, écoute, elle te recevoir nous, ensemble avec Philo, te gen l'autre monde tout, qui te engagé dans lutte là, qui te présent dans l'occasion. Ça, c'était une belle fête dans papa, et pendant plusieurs jours, nous te passé une semaine dans papa. Et dirigeant Racine Camp Peuple Économiste, Camille Chalmers, pas caché désolation, elle apprend nouvelle mort, compère Philo. Dans l'interview sa Libéré Radio Kiskeya, professeur Charles Meurs fait qu'on a une disparition, Bride Soukou, Anthony Pascal, que tout le monde connaît sous nom compère Philo, c'est un gros pète pour le pays. Dans l'interview économiste Camille Charles Meurs, dirigeant Papdad, toujours dans le micro Vladimir Maurice Ridoué. Nous très affectés par la mort compère Philo. Nous pensons que compère Philo est capable de tout en pile bagaille dans le journalisme en Haïti. Et nous pensons que c'est un bagaille qui fait nous mal en pile. C'est une très très grosse perte pour le pays. Et il faut que nous rappeler que compère Philo est représenté un véritable tournant dans le journalisme haïtien. Non seulement sur la question de la valorisation du créole, donc la communication créole, qui vient imposer les jodiens au niveau des bulletins de nouvelles, mais il était tout représenté et un renouveau du journalisme à travers ça que nous avons carrélé le journalisme d'investigation. Capable du tout que Philo, c'est un journalisme d'engagement. Ça veut dire que c'est un journalisme qui prend position sur les grandes questions sociales, qui prend position sur les grandes questions politiques et qui a, éduquer, font une espèce d'éducation politique de l'opinion. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous capable du tout que journalisme ouvert sur le monde, côté que Philo, est toujours en fait des comparaisons avec de l'autre dictature pour faire population comprendre ça veut dire dictature et qui gens que peuple t'a tout côté t'a pleuvé campé contre dictature. Donc là, je pense que ça, c'est un ensemble de bas extrêmement important par rapport au journalisme haïtien. Et jusqu'à présent, nous capables de dire, même s'il y a des héritages que Philo avec un pile l'autre monde, donc Liliane, etc., il y a des héritages qui étaient, mais il y a un pile l'autre bagaille qui étaient toujours pour faire pour être capable de renforcer le journalisme en Haïti, la presse en Haïti, et que la presse est capable de jouer un rôle dans le développement national, dans l'éducation politique, opinion publique. Là. Et dans une participation informée et responsable dans les grands débats nationaux. Qui ça ou quoi, jeune qui pas trop connaît, compère Philoyo, Anthony Pascal, t'as doué, prend la Cali comme Mac Fabrique. La défense culture populaire en ce moment est fondamentale, tant au niveau de langue que l'on peut utiliser, qu'au niveau de, qui j'en appelle de tête, nous, je dis encore une fois, la plupart des médias haïtiens sont dominés par un discours colonial, par un regard colonial sur Haïti, côté qu'on a gardé tête, nous, avec des lunettes coloniales. Donc, encore une fois, quoi que travail de décolonisation, journaliste, la presse en Haïti en général, décolonisation de discours qu'on a pu utiliser, de méthodes qu'on a pu utiliser pour analyser le pays, on pensait que ça, c'est une leçon extrêmement importante que Philo quittait pour nous. Et différents autres points, que ce soit à Sanrele, un journalisme d'investigation, que ce soit à Sanrele, un journalisme qui baille la parole aux principaux acteurs et qui respecte les paroles, ça, un journalisme engagé qui pas
prend aucun prétexte d'impartialité par rapport à combat qu'a fait notre société et qui positionnait clairement. Voilà, c'est dirigeant PAPDA, économiste Camille Chalmers, et dans le micro Vladimir Maurice Ridoré, sous héritage philo quitté pour pays. Ancien magistrat Kafou, musicien Yvon Jérôme, et retire chapeau devant philo qui symbolisait en pile bagaille d'après ça le dit. Il dit pays a perdu en pile, c'est un modèle. Et aller philo aller sans attendre là, avant là, c'est un gros vide pour société a, d'après ça ancien magistrat déclaré dans micro Beethoven François Fils. Attendez, ancien magistrat Yvon Jérôme. Comme tout que personnellement, en ce qui a trait à départ compère philo, qui sont symboles, qui sont en cours Jamville, c'est au Mapou. Compère philo, pour moi-même, qui symbolisait, ils ont fait un midi. Le milieu ne fait pas l'homme, c'est l'homme qui fait le milieu. L'homme regardé au niveau matissant, compère philo, fait là, grandit là, il s'allie, il toujours habité là, et jusqu'à sa mort, moi-même personnellement, n'importe 9h du soir, et pour la réactivité, à l'âge de grand bien, on a fait. Et je dois arriver compère philo, n'importe 9h, 10h, je ne sais pas. Petit garçon, je vais faire la caille, moi, oui. Un peu ok, Baptiste, on m'a déjà chez moi, comme si on avait tout, on est qui pas grand complexe, qu'on peut filer son aigle tout, la fait interview ensemble avec vous, ou à exprimer où, ni pas imposer sa tête liens tout, et ni partager, donc, payer un peu un modèle qui pas doué, qui pas fait dans la mémoire, nous, surtout, nous, qui fait plaisir à notre société, hein. Et moi, quoi que, c'est pas qu'on peut filer, il n'a pas qui fait mal, c'est que, qu'on peut filer bataille, tout, partenaire italien là, et puis il parouait, ok, italien, il parouait que la boutique, par le fait qu'il y a une équipe amateur, ok, qui a dirigé Péan, une équipe pour Péan, ok, à même bien personnel, parce que c'était bien personnel, il y a traité. Donc c'est bien dommage, c'est nos circonstances comme ça. Et moi, je crois que, même en tant que jeune gars, on est comme toi, très souvent, ou bien l'impôt, on a des opinions ensemble avec moi, je jugeais que son n'est pas prêté comme un modèle d'homme, ça mon modèle d'homme de simplicité et qui font choix spirituel, mais qui montre que l'inécréant, il ne peut pas balancer à gauche, il ne peut pas balancer à droite. Donc, inviter société, ça que nous perdons du compère philo, pour nous faire notre réflexion, pour inévitablement des trois valeurs qui passent à vous pays, ça passe à l'italien, pour nous changer l'orientation pour ça. Et puis, on met encore une fois les valeurs où aller par rapport avec ça aussi au présenté. Ancien magistrat Yvon Jérôme, non, micro Beethoven François Fils, sous ça, compère philo te représenté, n'a pas rappelé en termes philo à chanter, et mardi qui va 18 d'août, kiosque Oxygenti, en termes fait dans matin. Nage pour nous préciser tout protocole. Et puis, il y a parti Mouvement National Patriotique 28 novembre, MNP 28, qui dit qu'il prend deux nouvelles terribles et la mort deux militants qui étaient dans le combat pour la démocratie et pour un véritable changement dans l'État à fonctionner pour un développement économique et social tout bon. Et c'est journaliste qui était célèbre dans le pays, Anthony Pascal, et même au-delà du pays. Et compère philo, et avec un savant, docteur O.G. Daniel, spécialiste en cardiologie, dans maladie cœur, et membre comité exécutif MNP 28. Tous les deux, d'après ça, MNP 28 dit dans note pour la presse, il y a un lien particulier avec le parti de Jean Bélizère là, et entre eux, il y a un trait d'union, il y a des bagailles qui semblaient. Tous les deux, c'est deux intellectuels qui comprennent le pays en profondeur. Et moun ki te très profond yo teye, et yo menen yon vi modeste. Yon compè philo, c'était yon héros, bataille contre dictature du Valier en faveur démocratie. Li passe prison, yo et maspinen yo torturé, après ça yo voye en exil, et depuis 40 ans 1980-2020, et qui après et tout événement qui te passé, li toujours été même moun nan, li pas changé. Et elle pas jamais montré le campé sous bit vengeance. Émission Kalfou sous antenne Radio Télé Guinée semblait plus avec un programme formation culturelle et démocratique, d'après ça MNP 28 précisé. L'autre lan, c'est docteur O.G. Daniel,
qui fait li en cours dans la Tibonite rive gauche fleuve la Tibonite là d'après sa note la précision sur la Tibonite qui a parlé face à Savien nous connaissons aujourd'hui à qui réputation Savien gagné qui c'est rive droite et fleuve la Tibonite là. Docteur Daniel te fait étude comme docteur dans la faculté de médecine université d'état d'Haïti. Après que il était fin faire service social li, il était parti pour pays Canada côté il fait spécialité dans et cardiologie. Et il était tellement performant dans ça t'a fait, il était vin chef département cardiologie dans un grand hôpital dans Montréal, toujours d'après sa note l'a précisé. Et après ça il entré dans coordination MNP 28 qui représentait dans Montréal. Et il était coordonnateur et patient côté il était organisé célébration indépendance d'Haïti 29 décembre 2003 avec une messe il était fait chanter dans cathédrale Montréal là et puis une grosse conférence il était bail dans Assouer et avec participation président patient qui donc ingénieur de Jean Bélizère. En plus de ça, il est important d'après ça notre lundi pour nous faire remarquer que MNP 28 non ça le potea c'est parce que il était estomaqué à cause de razzia et Jean-Claude Duvalier dictature a été fait 28 novembre 1980 l'a fermé à Haïti t'est arrêté et tout journaliste tout démocrate qui t'a goumé dans pays hein. C'est parce que t'es révolté contre ça t'es fait compère philo à camarade Lio et l'autre défenseur valeur démocratique dans pays à contre dictature dans date 28 novembre 80 qui fait au bail parti en porter non ça c'est analyse Jean situation t'est grave. Et côté gen trois anciens dirigeants qui étaient anciens étudiants Union Nationale étudiant haïtien UNE et ingénieur Alexandre Laveau, Max Payan ak Dejean Bélizère et qui étaient réunis jou ça dans Drouillard et ont pris décision et comme défi après les partis MNP 28. D'ailleurs, ou capable li dans premier manifeste partien excusez qui paraît 25 décembre 1980. Il a commencé pour dire arrestation, assassinat, torture, détention arbitraire et pas gagner, pas privé de neutraliser peuple haïtien. Il a dit que oui, arrestation, assassinat, torture, détention arbitraire et pas capable de neutraliser peuple haïtien. Et que monde qui pensait yo remporter une victoire, il a fait Zak 28 novembre 81. Pas trompé, c'est ça qui est écrit dans le manifeste parti. Et chaque fois que vous avez Grégoire Eugène, yon Silvio Claude, yon Jean-Dominique, yon Marcus, bon, merci, yon Liliane, yon Compé Philo, yon LCETA, yon La Fontaine Joseph, et Ligue des droits humains, yon Erard, te gagne Robert, te gagne tout Gabriel, yon Clitandre, et yon Ezekiel Abela, yon Gasner Raymond, que yon ben arrêté, ou bien yon mette en prison, ou bien yon déporté, ou bien yon assassiné. Et c'est par dizaines, ou après un paquet de l'autre compatriote après pour yon paraître, pour yon prendre place. C'est ça, parti de Jean Bélizère te dit, dat ça. Et attention, monsieur, Jean-Dominique te dit, bon appétit, te dit, pas tromper, non, pas penser que, parce que nous fermons Radio Haïti, nous voyons tout le monde dans la prison, après ça, nous torturons, nous voyons en exil, nous pensons que nous-mêmes, nous là, à vie. Oui, balle la fini, mais il y a une autre balle qui commençait, c'est le mouvement national patriotique 28 novembre, c'est ça qui nous manifeste patien. Dirigeant et membre patien, retire chapeau, yo, devant deux monsieur Sayo, compè Philo ak docteur OG Daniel dans histoire bataille non pour démocratie ak dignité peuple yo et Tibiteras Levis que la terre vous soit légère et dirigeant et membre patient yo voye condoléances by famille zami et deux monsieur Sayo qui quitté nous et sincères condoléances c'est Jean Bruinet Georges ingénieur vice-président MNP 28 et bien sûr ingénieur Dejean Bélizère, président MNP 28, qui rend philo hommage ensemble avec Dr. Daniel, qui mourit dans la même période. Yon l'autre part, avant nous entrer dans l'autre gros point dans l'actualité, nous pouvons entrer dans la situation politique là avec yon magistrat intègre en dedans yon ville, on va parler souvent de lui, on connait parler de sénateur mais dans mauvaise condition, yon sénateur représenté la Tibonite non,
n'a parlé de magistrat et ville historique ça qui méprisait. D'ailleurs, il dit ça là dans l'Etlan. Et c'est magistrat Marchand de Saline, non? Et ancien magistrat Marclin Pierre qui écrit Jovenel Moïse pour dire non merci. Le pape vin agent exécutif intérimaire après il était fin élu avec voix peuple Marchand de Saline et puis après il fin passé Marchand de Saline dans bêtise. Mais ça le dit Marchand de Saline jeudi vendredi 31 juillet 2021 et yon lettre pour président Jovenel Moïse dans palais national pour qui raison m'écrou pour me dire non merci pape vin représenter comme commissionnaire municipal. C'est ça le dit. Et monsieur le président moi recevoir et une nomination arrêté présidentiel qui paraît dans le journal officiel le moniteur numéro spécial et numéro 14 jour qui m'a dit 7 juillet 2021 côté on fait me connaît que yo nom même comme président une commission municipale qui gagne la donne et du nord Sileus ak Martine Chérilus et membre qui en chargé pour administrer commune Marchand de Saline nan. Et selon un rapport et ministre intérieur collectivité territoriale là Odin fils Bernadel te remettre dans son ça et après yo fin débat question dans conseil des ministres pour prendre décision ça moi considérer nomination ça moi-même comme un honneur que ou fait moi-même mais moi été élu dans élection municipale en Babanien parti haïtien tête calée PHTK 25 octobre 2015 et peuple Marchand de Saline non cité ça qui c'est une cité fière puisque c'est fondateur nation qui t'est créé li et la parler de et de Saline et c'est là il t'a fait capital pays a fondateur patrien et moi même m'ai gagné un grand honneur pour me recevoir votre peuple ça et qui t'est voté en faveur pour me et présider et dans destinée commune et bien vote ça c'était un mandat légitime. Un mandat populaire, peuple Marchand de Saline ban mwen pour 4 ans qui était obligé pour me rendre compte seulement devant moun qui était ban mandat yo mandam yo et population dans circonscription côté m'té élu mandat ça li bout jou ki 4 juillet 2020 expérience mwen fait tout pendant que m'té magistrat c'est gros déception en tant que moun ki élu en babanye PHTK parti politique wa population côté moi hier Marchand de Saline li fait tout ça le capable pour te bay contribution pale et li payer comme ça doit tout ça le doit l'état et pour gouvernement central contribuer avec pour lever escamp figure commune nan nada malheureusement gouvernement a dirigé li pas de vle il pas de souhaiter pour collaborer avec nous dans commune. Article 217 Constitution amendé 1987 là divisé finance république là et en trois parties finance nationale et en deux parties finance locale. Cependant et 4 ans légal moi passé comme magistrat montrer que article ça pas grand ken importance pour gouvernement finance république là mais qui j'ai distribué seulement présidence primature parlement qui formait un triangle des Bermudes. C'est moi qui ajoute Bermude là dit un triangle qui baille PPP avec un parlement en tête qui a utilisé capacité nuisance li gagne pour détourner tout vrai projet qui était capable rider commune prend route développement qui était capable rider section communale yo et monter sur rail développement et bien dans parlement qui ça faire détourner tout projet ça yo n'a parlé de parlementaire pour raison personnelle yo. Collectivité territoriale n'a pas bénéficié aucun traitement dans l'exécutif là et qui marre saucisse à parlementaire en pile là dans yo qui gagne droit l'homme supérieur qui a bien en corruption et qui a coupé l'ombrique avec l'argent et qui a mangé tout projet qui gagne pour commune pour section communale pour détruire non seulement avenir commune ça yo section communale et puis yo touyer dans jeu tout projet et toute ambition politique de jeunes cadres qui paraissent souterrains, qui alprend votre population locale et qui gagne deux pieds au mari ou pas qu'à faire rien. C'est toujours ancien magistrat Marchand de Saline qui a parlé avec Jovenel Moïse. Pendant 4 années, madame, dans tête Marchand de Saline,
qui c'est premier capital pays d'Haïti. Que yon fè menon tiwa, yon jete clé à côté oublié existence premier capital impérial. Tout dirigeant nou nan pi haut niveau l'état pa jam vi regarder marchand de saline. Pa jam gen ken projet l'état qui sorti dans budget république là pour ville ça qui sont ville historique. Et m'a rappelé au président s'oublier promesse ou te fait ou pa jam respecté dans date 17 octobre 2018 pour te construire et puis pour te inaugurer avant date 17 octobre 2019. Route coloniale qui était sorti marchand pour arriver ti rivière de la Tibonite nada faut nous dire que la mono cap apte nous téléphérique pour 350e fond local développement aménagement territoire FLDAT que relé fonds communaux ministère planification à coopération externe a géré pas jamais débloqué malgré nous même nous soumettre un projet dans le délai ou te mandé a ou te exigé pas jamais et rien yo pas jamais faire de sérieux pour marchand de salit de fois nous kay clairez dans tout dans qui est allié et ministère intérieur à collectivité territoriale pas jamais décaissé rien pour mairie la de marchand de saline depuis plus passé 10 mois ça qui bloquait fonctionnement administration communale là mairie marchand de saline non te appuyer toute bataille association magistrat la Tibonite AMA et toute bataille fédération nationale magistrat d'Haïti FENAM bataille sa yo yo entré dans cadre décentralisation pour ta capable gen pi bon moyen pour développer pays parce que Haïti l'a effectivement développé ses joues côté pouvoir central là à comprendre son nécessité pour décentraliser et déconcentrer moyen yo ressources pays pour capable transformer l'état ça qui sont l'état cap consommer pour tourner un l'état cap servi et qui capable assurer la vie meilleure population les m'ap tan doit parler président les m'ap suivre démarche ou les m'ap garder aller au dans discours officiel ou ap faire yo et tout discours exécutif là moi constater concept même question de décentralisation son bagage même l'ombre li pas passé dans tête ou aller ouais pour ta non papier que on présenter ça qui fait que je veux dire collectivité territoriale yo c'est pas préoccupation yo yé pour gouvernement non monsieur président moi désolé après tout ça me saute dou là et en tant que you monde qui honnête qui intègre qui sincère moi refuser pour me venir agent exécutif intérimaire ça les commissionnaires municipaux là un simple employé dans service exécutif là nan place élu légitime que m'teye. Mwen remercie ou pour choix ça qui pa gen l'autre objectif c'est vassaliser maré nan pied table palais national collectivité municipale yo et mwen mande ou pour aller chercher yon l'autre moun et prendre toute disposition nécessaire pour capable remplacer m ou ap jwenn moun pour faire ça parce que chercher yon moun qui capable pour jouer exécutif là mwen même pa accepter place ça décision pour ne pas accepter poste non li entrer en application immédiatement mais espérer quoi comprendre sous qui bit prend camper l'aime prendre décision ça et moi salue président et en pile considération Marc Lempierre ancien magistrat marchand de Saline donc c'est des positions qui bail espoir surtout les moun a dit pareil moun dans pays. Souvent sur plateforme intelligente. Et coup de pied dans l'actualité internationale, la peine dans le pays Liban, il y a plusieurs milliers Libanais, je dis, qui défiaient le gouvernement une autre fois encore, trois jours après l'explosion, ça qui détruit une bonne partie dans la capitale là, il y a rassemblé, il y a une pile tension, au moins il y a un policier qui mourit dans la Cochaille, et il y a 110 personnes qui blessés, d'après ça, la Croix-Rouge libanaise fait connaître. Et nan mitan capitale la Beyrouth yo te pran la rue yo te en colère et yo te bay gouvernement défi un bon corrompu un bon criminel un bon incompétent qui journée jodi a mette pays à genoux d'après ça yo dénoncé yo di ça passé a c'est gouvernement responsable 150 moun mouri ou bien c'est négligence ou bien yo complice gen 6000 moun ki blessé et gen plusieurs dizaines moun ki disparaît.
yo te envahi ministère affaires étrangères à quartier général association banque dans moment manifestation et premier ministre annoncé pour gagner élection parlementaire avant l'heure qui pourra le faire élection parlementaire anticipée et d'après ça premier ministre Diab annoncé dans une tentative et pour essayer de la guerre de l'eau sous du feu mais jusqu'à présent autorité libanaise tellement décrédibilisée perd du crédit devant peuple même il a pas osé aller côté drame dans le passé c'est l'autre dirigeant étranger qui a venu prendre revendication peuple libanais qui en colère n'a pas vini la caipanon yon extrait dans émission parler pour avancer côté Marvel a recevoir spécialiste dans administration et public ak management et Yves Lafortune. Le problème que nous avons c'est que nous n'avons jamais bien longtemps nous pas gagné des monde qui gagne lumière qui prend pays là de lumière là qui pas gagne capacité ça. Comprenez bien où sont le président Martelly ou tombé dans le président Moïse. Bon, président Moïse, très rapidement, si nous comprenons son cadeau parce que la société a arrêté la garde, etc., que le président Martelly fait. Vous voulez dire c'est de fanal à lampe tête guidable? Moi-même, monsieur, gardez. Comme c'est de lumière à parler. Oui, mais absolument. On va sur le fanal. Fanal sont belles bagailles. Ils ont architecture. Et puis, fanal n'a pas fait pour le clairer. Non, fanal, il fait pour le bon pied, non, blanc, j'en le fait là. Donc, pour ne pas comprendre, bah, yo. N'a pas les connaît là nous sortons dans tête ridap et puis tomber dans coucouy ça m'a douleur là président coucouy nous est là président Moïse son nèg pour diable qui fait don dire dans Timelin qu'a liste tout sain tout rêve président Moïse c'est pour le fonter autopass mais qu'on a mal à faire autopass et puis establishment dans pays là monde qui gagne l'argent dans secteur élite économique là pour protéger intérêt oligarchique yo yo décider c'est malheureux ça qui fin sortir autopass ni il a fait sur tout parce que la parole de toi mon dieu dit bon université que les kiskeya il courait là-dedans il paraît être fini il pas jamais travailler dans l'état un jour il va jamais comprendre rien et puis bon il prend il met le président pas vrai et puis bon on y a là le nèg a vinn président nèg a un paquet orgueil pour lui faire ouais que c'est président lié il y a des gens pour il pas respecter monde qui pour faire le sentir c'est président lié il y a des gens c'est comme le doux que ou entre un éléphant dans un magasin de porcelaine maintenant ça n'a plus là par rapport à la responsabilité que nous devons prendre envers soit dit là c'est ou qu'a dit lui parce que grand pile gros technocrate et des nèg qui calé même là avec ou dans administration qui pas ouais nécessité même là on pense mais pas ouais nécessité pour non. Quoi que ce soit non d'ailleurs ouais des gros calé nèg qui soit disant en pile plan et qu'après posterner devant ni et pour revenir chef pour revenir directeur non oui bon on a la raison l'autre problème nous va l'analyser on a l'autre colonne qui tant bénédiction ni pour venir même conseil électoral non ça sont l'autre considération monsieur Tande ça m'a donné la mentalité tu pourrais non mais du actuellement... directeur autopatra quand même il y a des monde qui a marché tête en bas devant mais absolument c'est pas seulement mettre là non il y a pas mettre là c'est sans que pas de qualification pour mettre là sans pas de qualification c'est vrai mais il y a pile monde qui mettait en bas pied lui pour aider construire arrogance là et même développer dictature non mais attendez a pas gagne des monde qui dans secteur économique là c'est dire de faire dépenser tout comme vous mettre là bon même si bagarre la mal tourné parce que leur montre ma carte piroche pour mettre tête casse et tout m'a parlé de construction bon, pays. La vérité, qui beaucoup prend couteau. Peut-être il a pris mais beaucoup. Non, en tout cas, l'homme monte macaque parce que justement on est des monde dans secteur économique qui dit que préfère dépenser tout comme yo pour yo et assurer que président Martelly assure dauphin là ce pouvoir. Et aujourd'hui hein, et c'est ça n'a parlé de pourrissement de la situation dans le pays avant que nous tombions dans la lumière yo. Parce que justement, au compte qui va pour si contexte gain lumière là donne c'est le dans politique générale là. Quand la politique générale Jacques Guilla content mais c'était des feuilles de chou quoi la politique générale notaire Jean Ristéan c'était écoutez moi-même moi qu'on parle avec notaire Jean Ristéan mais le Jean Ristéan vrai premier ministre j'ai écrit un article au Nouveliste quand il me dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions notaire séance en ville ça avec les clients la fonctionner notaire séance pas appréhender la question de l'État dans sa plus haute dimension mais
ou pas qu'à appliquer dans un pays aussi complexe, qui n'ont dynamique, qui m'a défaut une approche sociale, une approche économique, pour qu'on soit capable de travailler pour que l'éducation capable au service de la population. C'est de ce que je parle, M. Dandin. Donc, quand c'est pas aujourd'hui, il faut être d'accord que nous sommes dans une déroute. Là, je comprends toutes vos compassions. Et justement, pendant que parle maintenant, même si ou du lieu de monde qui a interviewé maintenant, il y a une sainte colère qui ne s'exprime pas vraiment. Mais ce que je vous dis qu'aujourd'hui, par rapport à ce constat général, ce constat de ce pourrissement de la situation, ce constat de cette désagrégation totale, économique, agricole, médicale, au niveau de santé publique, etc. Il est temps maintenant que nous comprenions, soit nous comprenions que voilà côté rivé, c'est ça. Tout autant nous pas faire, nous pas aller plus loin. Mais vous voulez retourner avec un livre que nous avons en podcast matin, hein, que Rosne Smith a lui écrit, quel est le vertige haïtien de Haitian Vertigo, qui sortit dans l'armatan. Dans le livre, ça, c'est côté que monsieur travaille 7 euros. 7 euros, ça, 5 euros, le président Matéli, ça va voir qu'il va prendre 5 euros, ça, et puis il va le galvauder. Mais bon, 5 jeux pour lui. 5 jeux pour lui. C'est que, il a mangé 7 euros, il a fait 7 euros, il a fait 5 jeux. Non, le Julie, il était tourné 5 jeux. Bon, justement. Mais, souvenez, parce que 5 jeux pour lui. Chaque fois que je passe la pléiade, nous, le livre, ça, m'acheter plusieurs pour me cabaye moun et me promettre au exemplaire. Ou beaucoup moins. Promettre au exemplaire parce que pas de gagner dans le dernier temps, on me commande 10. C'est spécialiste administration publique et management. Et Yves Lafortune m'en va la recevoir demain après-midi à 1h dans l'émission Parler pour nous avancer. Dans l'extrême-orient, pays la Russie, qui est le premier plus gros territoire sur la planète, là, colère continue à gronder contre Vladimir Poutine. Ça fait 5 semaines depuis qu'il a manifesté en zone qui est très, très, très loin de Moscou. Il a pris 9 avions pour arriver dans la zone. La population dans Khabarovsk et a demandé libération du gouverneur qui est Sergei Foural, un gouverneur très populaire, mais que Kremlin a été accusé, monsieur, d'après avoir été impliqué dans un crime il y a environ 15 ans. Mais ses partisans ont dit c'est menti, c'est politique. Parce que le pas de vle pour te aller comme candidat en babanier parti Vladimir Poutine. Non, yon fait un chapeau, yon mette dans tête li, parce que monsieur arrivé passé malgré le pas avec Poutine. Donc yon croit que c'est payé, y a fait le payé, et c'est chaque semaine yon dans la rue. Napvini, la caille panon, en réaction concernant ambassade américaine qui semblait vle faire une pression publique sous allié Jovenel Moïse, puisque jusqu'à présent, il y a 8 clos entre l'ambassade là avec Jovenel Moïse, et même un triangulaire, nous sommes capables de dire avec Nations Unies, tout, et bien tout d'un coup, l'ambassade là prend la rue avec une note, côté lui dénoncer une série de fléaux, et peuple haïtien et opposition a dénoncé depuis plus que 3 ans, qui se question impunité, violence, insécurité à corruption. Qui réaction diverses responsables politiques gagnent par rapport à position publique ça ambassade américaine prend pour la première fois et dans dossier Jovenel Moïse là sénateur Nenel Kassi estimé n'a vive une situation catastrophique dans temps ça yo li dénoncé acteur dans communauté internationale là li dit qu'il pas jamais les comprendre dans qui situation terrible peuple haïtien trouvé. Sénateur Nenel Kassi, qui est un dirigeant de l'opposition, précise c'est intérêt pays qui doit avant toute bagaille. Et ce n'est pas seulement Tinot pour dénoncer l'insécurité, l'ambassade américaine a finalement mis dehors. Et pour, c'est pour montrer à clair, il y a un problème à Kaliel, c'est pour désolidariser la Jovenel Moïse avec le régime Nian qui en place dans tête pays. Si c'est vrai, il y a une volonté pour condition la vie peuple haïtien améliorer. C'est ça sénateur Niplan et sénateur Nenel Kassi déclaré dans micro Beethoven François Fils. Pendant catastrophe ça arrivé, gagnen acteur dans international là. Et qui pas jamais voulait tendre nous, et qui pas jamais voulait comprendre nous tout. Et qui t'a essayé traiter de l'autre problème avec nous, qui pas comprendre nécessité pour yo camper hémorragie abonnés. Aujourd'hui, yo
commencer à dénoncer ça. L'on prend note ambassade américaine, non. C'est pas une belle note, dans la mesure où l'ambassade américaine pas complice de ce qui a passé là. C'est pas une belle note qui t'a reflété peuple américain, dans la mesure où l'administration américaine non, pas cautionné le pouvoir qu'il a et qui vient arriver dans la dérive qu'il y a là. Quoi que je dis, et ambassade américaine, administration américaine, non, il doit aller plus loin que notre, parce que notre yo, yo pas capable pour moi-même réparer dégâts ambassade américaine fait. Ça veut dire nous besoin plus nan men yo comme partenaire, nous besoin plus nan men yo comme acteur au niveau international là, qui non premier temps et t'a supporté pour voir ça et pas gagné qui dit côté n'a parlé là yo pas supporté pour voir toujours. Moi, et par rapport avec l'occupation peuple haïtien, par rapport avec les rives là, par rapport avec la catastrophe là, et moi, je crois que mesure ou bien position qui doit venir, une position qui est beaucoup plus forte. Et moi, c'est ça que nous cherchons, et c'est dans ce sens-là, et nous-mêmes qui toujours ouverts, et pour nous dialoguer, qui toujours prêts pour tendre de l'autre partenaire, qui toujours prêts pour coopérer avec de l'autre partenaire, mais dans l'intérêt d'Haïti d'abord et l'intérêt de l'autre acteur sur le plan international parce que nous vivons dans un monde qui est globalisé, dans un monde interconnecté. Nous ne pouvons pas qu'il y ait un café bagaille pour contre nous. Nous pouvons avoir des intérêts communs qui unissent nous. Mais nous pouvons pour nous défendre l'intérêt commun ensemble. Mais nous croyons que aujourd'hui, nous pas besoin de notre cap condamné les questions de sécurité, cap condamné ça cap passé. Nous besoin aujourd'hui de notes. De prise de position claire pour condamner une série de dérives, pour condamner, je dis, à violation de la Constitution, pour signifier à Jovenel, même gens de l'autre partie signifier, pour dire, et société a signifié, pour dire, Jovenel, mandat fini 7 février 2021 d'après Constitution. Mais nous, même au niveau secteur démocratique, comme nous positionnons déjà, nous disons, n'a délogé Jovenel avant 7 février 2021. Et l'État, Jovenel lui-même, qui a fait tout ce qu'on a fait yo, comme dérive, comme vagabondage, comme des actes malhonnêtes en dedans et population en dedans et sous côté de l'estomac et peuple haïtien, et la paye les conséquences, la paye frais de toute façon. Et c'est ça qui fait mon moment arrivé pour tout le monde, pour tout le monde qui croit dans l'autre Haïti, le poté collé. Voilà, sénateur Nenel Kassi, un dirigeant en opposition, dans le micro, Beethoven Sonsrafis, sous notre ambassade américaine qui dénonçait corruption, violence et sécurité, gangyo, et impunité dans le pays d'Haïti. Et ancien sénateur Antonio Cheramicato, sorti dans le silence tout pour dénoncer situation difficile pays à vivre, il dénonçait l'insécurité qui a plaité. Et devant communauté internationale là qui a supporté Jovenel Moïse au pouvoir, il dénonçait une série de projets qui signent imbattable en bachal qui pas dans avantage peuple haïtien. Il posait des questions pour comprendre et qui ça notre ambassade américaine nan vle di. Li kwè se diversion et américain a fait parce que conviction pas le fait pas capable gagner élection avec Jovenel Moïse dans tête pays comme président. Yon président qui pa gen avni, pa gen place pour régime ça. Ça montre, d'après ça, le dit, contrairement à sa Jovenel Moïse, il pas chef. Ancien parlementaire a dénoncé toute forme de persécution qui a fait contre famille Vobla. Et n'attendez ancien sénateur Antonio Cheramicato, toujours dans le micro Beethoven François Fils. Où est l'ambassade américaine tellement senti li gêné? Yo sont on note mais nous-mêmes qui fait politique nous-mêmes qui avant-garde dans le pays là nous qui ta comprendre notre là son note pour faire diversion parce que parallèlement notre là est sorti même juin ou quoi la veille ou même juin qui a annoncé que General Electric a rentré dans pays dans dossier courant et mais tout le monde vient nous clair que c'est américain qui met avec Jovenel pour détruire une série de monde pour aider une série de monde pour prendre tout ça qui a rapport avec alors tout ça qui rentable pour économiquement dans pays hein yo vinn faire pays à tourner comme si c'était cadeau c'est son savant ou bon Jovenel lui-même il gon crime bagarre li mandé blanc c'est tembel sous pouvoir et yo même yo profiter de ça pour capable faire tout ça yo voulait en dans pays mais nous-mêmes nous c'était avant-gardistes et nous étions
solidaire des convictions nous. Convictions nous faites déjà, pas gain avenir avec Jovenel, pas d'élection avec Jovenel. Question 4 des malogues là, il faut poser, il faut que tout le monde qui participe dans le crime économique ça, il faut que nous poser problème ça, il faut que nous juger. Je dis, hein, tout secteur, profitez l'occasion pour me dire, tout secteur que Jovenel a pas pression, yo, nous pas pour nous prendre pression dans mes Jovenel. Au contraire, nous pour nous chita, tête nous sous épaules, nous pour nous dire Jovenel Moïse, les pas chef. Ce n'est pas lui qui a dirigé nous ici, là, que lui-même, dans qui ça rentre, il rentre dans la gang. On président n'a pas qu'à rentrer dans la gang. On président n'a pas qu'à mettre le peuple en otage. Je dis à nous-mêmes, nous avons une mission. Nous avons une mission pour nous libérer quand c'est défavorisé. Aujourd'hui, hein, grand coup a tout, la vie chère a tout, conditions de vie sont difficiles. Mais qui ça qui arrive? Il n'y a pas qu'à parler parce que Jovenel a mis des mouns prennent en otage, quel que soit le cité soleil, quel que soit le différent autre quartier défavorisé, nous sentons une répression qu'a fait sur eux. Et nous-mêmes, dans la bataille, nous avons gommé pour nous voir qui gens nous ont sorti peuple ça dans le modèle otage que Jovenel mettait là. Et c'est là que nous prenons l'élection. Pas d'élection qui possible pendant qu'il y a un prisonnier politique, pas d'élection qui possible pendant toute l'argent ça a volé en d'un pays. Et moun ça a là à marcher l'argent, ou rien pas arrivé à faire l'élection pour renouveler tête yo, ou kawe journal, ou quelle que soit l'élection qui fait, pas de moun tape jambe pour pouvoir actuellement, parce qu'il y a un mette base pour la grimace électorale, mais nous-mêmes nous prêts pour nous pas rentrer dans le dossier ça et pour nous coumer. Pour ça pas passer en d'un pays hein. Depuis le yo te fait Dimitri Vogue obligé courir quitter pays là nous aujourd'hui a yo saisi caillou yo prend caillou c'était toujours rêve Jovenel pour le faire courir parce qu'il était un général électrique ensemble avec ambassade américaine qui était en fait dit yo yo te ranger corps pour faire son général courir yo même pour prendre place et aujourd'hui a ou senti qu'on y a il a cherché il arrivé sur Yuri même Jean nous gain Anel nous gain Kilik nous gain Babas nous gain tout monde ça qui fait mon côté tout monde connaît c'était prisonnier politique nous même nous condamner tout ça ça nous dénoncer comportement et communauté internationale dans pays qui en basse petit bébé à prendre balle qui en basse gang à monter qui en basse la renforcer un réseau mafia qui est le PHTK et sous base ça nous-mêmes, nous camper pour nous continuer nous-mêmes parce que là, il n'y a pas qu'à continuer comme ça. Voilà, ancien sénateur l'Ouest, Antonio Cheramicato, dans le micro, Beethoven, François Fils. Ancien député Léo Gannon, Jean Danton Léger, ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, fait qu'on est. Et dernière position ambassade américaine exprimée là. Sous dossier pays d'Haïti a montré à clair Jovenel Moïse perdu une pigo allié li gen kembel sous pouvoir dans sens ça président obligé quitter pouvoir d'après ça le dit avant même mandat fini 7 février 2021 ancien député Jean Danton Léger fait connaître Jovenel Moïse qui toujours en place président pas capable résoudre problème insécurité parce que c'est président même qui responsable et gang armé yo. N'a pas tendance quitter parler comme ça dans le micro, Vladimir Morissidoué. À partir de dernière prise de position ambassade américaine concernant sécurité, yo rendu compte cap valé terrain dans pays a et que notamment des présidents pour ramener la paix. On dit que à partir de prise de position ça, le sort du président Jovenel Moïse en est définitivement jeté. Jovenel Moïse yo compté. Selon même après prise de position ambassade américaine et sur question insécurité dans pays a, est-ce que inquiétude dans camp pouvoir? On est déjà jeté pour Jovenel Moïse. L'ambassade américaine fait déclaration ça, c'est désolidariser avec Jovenel. Combien de fois qu'on a demandé l'administration américaine, non? Eh bien, il n'a pas appuyé Jovenel Moïse. Non, c'est des décisions qu'elle comprend, même si c'est une bonne décision, droite et gauche. Jovenel Moïse, eh bien, l'administration américaine, non? Qui a une élection tout le monde fait en novembre dans le pays, mais il rend compte qu'elle n'est pas capable d'appuyer
est on est cap fait toutes les autres ailleurs cap foncer des déclarations tête chargée cap doit après bon Dieu c'est lui-même cap nous quelque soit élection fait c'est lui cap prendre son déa ex machina un grand seigneur qui bat monnaie journée aujourd'hui l'or et au mandé Jovenel Moïse pour lui ramener la paix il connaît pas capable et bien c'est la guerre dans la guerre lui alors que 7 février 2021 c'est dernier l'est que nous c'était gain pour le pouvoir mais j'ai comme l'impression que le pape 7 février 2021 la obligé parti bien avant parce que je suis sûr que les Haïtiens n'est pas d'accord pour continuer à être fiel que Jovenel Moïse Balboué dans Calice à Mersa. Voilà, c'est Maître Jean Danton Léger, Maître Léger. Yon l'autre part, retourner sous dossier sous-général. Il dit 16 il y a comportement doyen et tribunal première instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville dans dossier sous-général. Maître Jean Danton Léger. C'est tout profiter dénoncer persécution et pouvoir être calé à mener contre responsable compagnie sous généraux. N'attendez une autre fois encore dans le micro Vladimir Maurice Doué. Ça peut étonner nous, c'est d'abord position doyen tribunal la Bernard Saint-Ville. Nous fait 11 mois et demi à collaborer à monsieur dans le parquet Port-au-Prince. Et je me dis que c'était une collaboration franche, sincère et loyale. Et je me dis toujours découvrir Maître Bernard Saint-Ville, un magistrat intègre, honnête, compétence. Caractérisé. Donc, on ne comprend pas qui j'en fait que l'a distribué dans le dossier sous général, même dossier avec même parti par devant deux juges d'un et différents. Et en plus, ordonnance que magistrat Chanlat prend, qui comportait une série de mesures conservatoires. Mais il peut être atteinte à la liberté individuelle, il peut être atteinte à la violation domicile. Et fait nous que c'est une ordonnance qui consommait sans que victime n'ait pas de jambes dégâts, seule fois prêté comparé devant juge. Non? Que donc, eh bien, juge Chanlat est violé, doit à la défense mondiale. Le droit de la défense a été carrément là, baïonné. Or, défense, non, c'est un droit sacré. Il n'y a pas de jambes les victimes, il y a des réponses à une question. Non, c'est ouais, 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 ça peut exécuter. Mais je comprends pour qui ça agit là, qu'à parler les Vobio, parler Madame Préval, parler l'autre monde qui concerne dans le cadre de ces ça. C'est parce que je la connais que depuis mon été comparé devant, il y a des magistrats obligés de saisir parce que dossier à devant, ils ont l'autre vue d'instruction déjà. Et ça fait que nous-mêmes, nous croyons que pas bien l'ombre de doute que. Dans l'heure qui a venu, eh bien, Maïssa Chanat a obligé de prendre une ordonnance, côté que la dit qu'il de ses îles, il est école, il n'est pas connu, ce dossier a été devant l'autre juge. Et toute ordonnance qui prend là, et côté que il y a le saisi Kaimoun, parce que pas de grand qui a saisi immobilier. Pendant que les gars font tout le bagage illégal, ça, c'est trois grands déploiements qui ont été faits, la caille victime, avec toute force police qu'on a bien dans le pays. Mon nom de référé, même référé au papa, on référé à ce bagage qui est naturel, il est de toi, il crase pour entrer mon nom, et puis il entre de force la Kaimoun. Son façon pour nous dire que, eh bien, tout ça qu'a fait, dans le cadre de ce sous-général, par l'autre bagaille qui persécution politique. D'ailleurs, un contrat qui est sous-général à l'État. Il dit que, en qu'il n'a pas tiré, il n'y a pas un droit pour y aller la justice sans que, il n'y a pas de droit. D'abord, il fait que, en deux contrats même, il a accordé 30 jours pour s'y gagner en litige en partie, pour recourir à tribunal arbitrage pour toutes les questions. Jovenel Moïse, sans qu'il n'y pas même recourir à un arbitrage, pas faire un recours à l'amiable. C'est directement saisi, la justice a saisi son général, mettez-moi en exil, persécutez-moi. Voilà, M. Jean Danton Léger, ancien député, ancien commissaire gouvernement dans le micro, Vladimir Maurice Ridoré. Dirigeant initiative Patriote Marien, ancien député Hugues Célestin, estimé ambassade américaine Nord, corps groupe la Cloa, c'est eux-mêmes qui kembe pouvoir tête Kalea dans tête PIA. Parler sous question gangsterisation dans PIA, parce que le monde qui a créé gangster, gang, yo, et c'est Jovenel Moïse qui a supporté yo. Li mette milicien campé dans pays à tout partout pour faire d'appuyant sur élection l'idil pour l'organiser. Dans l'interview sur la radio Kiskeya, dirigeant politique là, te tout profiter critiquer dérive équipe tête Kalea qui lague population jounen jodia dans calamité avec désespoir côté chaque jour plus peuple haïtien a vinn pi pauvre. N'attendez ancien député X Celestin dans micro Vladimir Maurice Doué. Sous tout bagay sa yo, président Jovenel Moïse, Palais National, équipe Rose Blanc, tête Caliban nan, mette campé milicien qui a fait et défait dans un paquet de zones en d'un pays. Il a choué grand monde, il a choué tout monde. Yo sans foi ni loi sont bonnes. Milicien tonton Makout Jovenel Moïse yo que en pile monde après les gang yo, yo choué sans moun nan tan kou se pintade marron nan savane. Donc par rapport à tout bagay sa yo, ou wè que ambassade américaine représentant Nations Unies l'OEA qui se supportait
Jovenel Moïse, c'est qu'on y a qui fin encourager création milicien en d'un pays, c'est qu'on y a parlé de gangstérisation. Voilà, et gangstérisation, hein, yo aidé Jovenel Moïse rentrer en d'un processus là, et yon a organisation qui dit ça très bien, c'est RNDDH qui parlait de milice que Jovenel Moïse a mis en place là, c'est pour kidnapper processus électoral là. Tellement c'est ça ou qu'a fait, en toute bouline, président Jovenel Moïse a dit, il faut que l'y fait élection comme quoi, moun tête droite dans le pays, moun qui voulait un changement dans le pays, comme quoi, yota pédi la tête pour yota participer dans l'élection. Pas de aucun parti politique, aucune organisation, aucun citoyen qui te pral rentrer dans jouet tête chargée que Jovenel Moïse a parlé là. Moun qui moun dans le pays a dit, avant 7 février 2021, c'est avant pousser do Jovenel Moïse afin que le pays apprend l'autre gouvernail pour qu'il permette peuple haïtien, population dans le pays d'Haïti, rallons sauf en bas mal cité que l'y connaît aujourd'hui. Est-ce que vous estimez dans le pouvoir gagner inquiétude après prise de position ambassade américaine? Oui, de vous dire ambassade américaine. PHTK et Jovenel Moïse, régime et pouvoir, tête calée rose et blanc banane, ou dit ambassade américaine comme entraîneur pouvoir ça. Pays, la vie chère, c'est qu'on n'importe qui moune la réalité, qu'a dit, la vie chère a fait remonter le ciel partout. Ça qui est l'inflation. Dernier chiffre, urbain que l'inflation a 23% depuis qu'on y a là, l'a augmenté depuis le mois de mai 2021, ou gagné un goût de la qui pape suspend, prend pâte à soel dans mes dollars, goût de la presque tout les oreilles bourriques. On y a là, c'est 126 gouttes, selon ça, yon moun dit matin, pour son besoin, yon grain nous là dans la rue, yon continue à craser caisse l'État, à déchepiller dernier 5. Dernier bout et goutte, ou bien 5 gouttes rouges, cap rentrer dans caisse l'État. Voilà, c'est yon responsable mouvement sa initiative Patriote Marien. IPM, ancien député Hugues Célestin, qui te parlé comme ça, IPAM, qui te parlé comme ça, nan micro Vladimir Maurice Ridoré, coordonnateur général organisation Peuple Cap Lutte et OPL, ancien président sénateur Edgar Leblanc, rete quoi Jovenel Moïse, pas bien en quel secteur sérieux à l'entrée d'un projet pour monter un conseil électoral provisoire. Et que le flemme était campé sous pied, c'est ça dit, dans l'interview le banon, ancien président Sénat, pensait, sans un accord politique, à cause confiance parfait président, et société à classe politique là, et la difficile, et pour secteur conséquent, entrer dans la dynamique pour participer dans un KEP pour organiser l'élection. Dans ce qui concerne les positions ambassade américaine, prend publiquement, qui t'apparaît contre Aliel dans une note. Et pour la presse, par rapport à gang armé qui envahit pays, à la tête OPL a estimé communication représentant pays américain dans pays d'Haïti te prend vraiment en pile temps avant pour le venir. N'attend des coordonnateurs OPL là, ancien sénateur Edgar Leblanc fils qui te parlait comme ça dans micro Hervé Noël. Président Pagayé, je dis à aucun crédit de côté à aucun secteur. Et quel que soit le secteur organisé dans la société, eh bien, sous une forme ou sous l'autre, il y a des représentants qui déjà expriment publiquement pour dire que la situation dans le pays, ça, lui demander un gros brasser l'idée, un gros shit à parler qui pour permettre que qu'on y est là, ça capable d'avancer. Et plus fort dans le secteur, on rend compte que, je vous le dis, le président lycée, il y a un élément qui handicapé aux démarches de rassemblement pour ce qui la donne. Ce qui fait donc que, personnellement, je ne sais pas que comment il peut rejoindre le support de aucun secteur organisé conséquent sur le pays qui peut aller participer dans la formation du CEP qu'on est là. Je ne sais pas, naturellement, des capteurs choisis 9 personnes de montrer le CEP qui a qu'on est là. Après même, ça a été fait avant sous le président Matéli qui a fait un premier CEP. Ils font deuxième assistant jusqu'à ce qu'ils rendent compte que
pas d'aucun moyen pour ça faire. Et je pensais que c'est dans la même dynamique ça que nous avons. C'est dommage que le président Jovenel et l'entourage proche lui pas capable de faire une bonne évaluation de la situation et comprendre que, eh bien, il n'y a pas gagné aucune possibilité vraiment pour que pour l'éternité CEP qui est capable de gagner un petit crédit dans la population. Par rapport à la déclaration que l'ambassade américaine fait concernant danger gang représenté, nous étonnés puisque représentation ambassade bien lila, ambassade a gagné des ressources pour que pour le connaître sa capacité et des fois mieux que des nationaux même, ok? Par exemple, ça a une déclaration par exemple moins que gang ont empêché la vie même. Non, est normal en Afrique, et c'est pas seulement dans Port-au-Prince, il y a un petit peu partout, ok? Il y a une démonstration dans la période 6-7 juillet, une démonstration de force, ok? Et on dit même démonstration de force, c'est pour entrer plus fort toujours directement dans la gestion politique, là, dans la poste magistrat capable de gagner. Et nous connaissons même que gagner des nominations qui fait côté que il est dit que ces mêmes nominations qui répondent à exigence que gagne qui fait des fait et que pouvoir lui-même par le national notamment ok et en collusion avec eux adhérer à demande obligation ça pour être pour capable contrôler le terrain faire intimidation faire mon père et puis mettre ça tout dans préparer élection par eux et comme c'est qu'on est là l'ambassade dans lui-même lui ouais ça lui fait notre sortie. Eh bien, nous disons c'est très bien, bienvenue, mais nous étonnons qu'on n'a pas vu ça avant. Alors, c'est le collègue qu'on connaît. Voilà, coordonnateur OPL, sénateur Edgar Leblanc, non micro Hervé Noël. Et puis, il y a porte-parole Fusion social-démocrate haïtien, ancien secrétaire d'État et professeur Mozart Clérisson, qui a réagi non micro nous, dit quoi position ambassade américaine, non? Et prend concernant gang armé dans pays a vle di yo gon désaccord ak politique pouvoir en place là ap mené nan sens sa. Cependant désaccord ambassade américaine nan vini d'après ça dit après désaccord peuple haïtien déjà exprimé par rapport à équipe qui sous pouvoir depuis dik d'antan. Dans interview li ba radio Kiskeya jeudi porte-parole Fusion fait qu'on est population pays d'Haïti pas de besoin position ambassade américaine nan pour connaître la vive une situation malouk. Professeur Clérisson souhaitait peuple haïtien prendre responsabilité pour travail pour indépendance pays pour pas besoin c'est ambassade américaine qui pour vinn deal et li gagner yon bagay qui a passé mal la caïdi. N'a pas de porte-parole parti Fusion social démocrate haïtien professeur Mozart Clérisson dans micro Laurie du jeune. Et pour vraiment répression sur eux. Je crois que, et
Voilà, c'est porte-parole Parti Fusion Social-Démocrate haïtien et Mozart Clérisson et sous notre ambassade américaine. Non? Et puis devant, nous avons pour nous étendre encore fois ça, c'est sous ouverture l'école là. Une autre coupe d'actualité internationale, on a retourné encore dans le pays Liban, alors que c'était plusieurs milliers qui étaient rassemblés après-midi à dans mi-temps capitale la Beyrouth et pour faire manifestation pour exprimer colère au contre pouvoir, yo te prend d'assaut ministère affaires étrangères, yo déclaré c'est quartier général révolution, yo prend d'assaut ministère commerce et puis avec quartier général association banque yo et dans occasion manifestation ça. Manifestants yo, yo te gen en tête des officiers, même 28 officiers d'après ça dit qui prend retraite yo et qui te dirige mouvement après-midi dans capitale pays Liban. Initiative ça, yo organisé 4 jours après deux gros explosions ça qui détruit une bonne partie dans capitale là et qui la cause plusieurs monde mouri, monde blessé, monde perdu caillou, monde disparaître. Et yo rend gouvernement responsable ça passé dans port et Beyrouth là. Et faut que nous dit manifestation était diffusée en direct sur télévision et côté que et force sécurité haute et concentré pendant tout rassemblement manifestation plusieurs milliers moun dans mi-temps capitale là. Ça fait quelques jours depuis et pratiquement c'est Covid là qui fait un petit jambe baissé depuis plus que un an peuple libanais dans la rue et tout près place yo des places partir yo et qui généralement c'est là yo toujours casser rendez-vous manifestation dans capitale là te gen troke kon qui te mette face pour face foule là ak police qui là pour garantir sécurité et dans des balles te tiré police te voye gaz lacrymogène sur manifestants yo en pile là de ces jeunes qui te gagné bisuit l'état dans main yo qui te riposté et pour libanais yo qui déjà en bas épreuve après une crise économique sans pareil plus explosion qui fait pas dire que la cause 150 moun mouri et dévasté une partie dans capitale là c'est une catastrophe en plus que pas qu'à supporter. Ça a relancé mouvement contestation qui a commencé depuis le mois octobre pour dénoncer toute classe politique là, yo dit qui corrompu, qui incompétent, qui criminel. Mais yo te font camper mouvement à cause de Covid-19 là. Selon un tweet la Croix-Rouge libanaise, il parlait de plus que 100 moun qui blessé pendant la manifestation, il y a 32 là-dedans qui courent avec l'hôpital, il y a 110 les autres, il y a beaucoup de soins sous place. Attention, tu es concentré et côté force sécurité, tu es campé pendant tout le temps que tu es environ 200 manifestants qui ont gagné en pile ancien officier l'armée qui prend retraite, qui était dans la tête, ancien officier, ça a profité pour prendre d'assaut. Et siège ministère affaires étrangères côté déclaré c'est quartier général révolution wa, selon image qui bail en direct sur chaîne télévision et côté tout avec mégaphone gen ancien général Sami Rama qui lance un appel qui mandait soulèvement général lui dit que faut que poursuivre tout corrompu alors que manifestant yo t'a retiré photo président Michel Aoun dans tout bureau l'état yo crasé et tout cadre photo yo chire photo passé en papier et sous place martinan mot d'ordre là c'est jour jugement arrivé et côté yo installé de faux guillotine en bois et qui pour montrer que yo voulait pour yo ta passer à définitif tout monde qui responsable pays arrivé côté lier.